ils ont tous estomaqué, ils ont fait encore des progrès par rapport à l'an dernier. Ils continuent à progresser et je ne sais pas où est-ce qu'ils vont s'arrêter. Merci. Remerciement vous aussi à... En premier, quand même, c'est les hôpitaux d'Anne-Mezan, parce que nous, l'association des chiens jaunes, on représente les hôpitaux d'Anne-Mezan. Alors le chef de pôle de pédopsie est aussi partie prenante, je pense que vous ne l'avez pas tous reconnu. Le docteur Franfant... Et celui sans qui ce projet n'aurait jamais vu le jour, celui qui s'investit à fond depuis plus de 2 ans, celui qui porte le projet à bout de bras, celui qui dynamise, celui qui fait vivre. Je demande d'applaudir pour un moment. Maintenant d'avoir un groupe qui nous a rejoint, c'est Autisme Pyrénées, on est très heureux de les avoir avec nous. On va pouvoir continuer à bosser avec eux et ça va être très enrichissant pour à la fois la ferme thérapeutique et pour eux. On va faire un bon boulot ensemble. Merci à vous.